C'est une sortie qui exprime toutes les difficultés et les inquiétudes que les sages des coordinations régionales éprouvent actuellement pour désigner leurs représentants au Conseil National de la Transition, CNT. Au Palais du Peuple où les sages des régions ont conféré ce jeudi, 11 novembre 2021, avec les autorités du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, Eladj Ousmane Fatah Kobaldé, le président de la coordination nationale des Foulbé Ali pour l'art de Guinée, a dénoncé le nombre de places, deux selon la charte de la transition, qui leur a été réservée. Il a assimilé cela à une façon de troubler l'entente entre les coordinations régionales et a invité les autorités à revoir cette situation. En tout cas, avec seulement deux places pour les quatre coordinations régionales du pays, Eladj Ousmane Fatah Kobaldé a prévenu que les sages vont simplement renvoyer l'équation aux autorités pour ce partage. Ce que nous leur avons dit est court, mais précis. Nous sommes contents de l'appel, nous savons qu'ils ne se sont pas trompés en faisant cela pour qu'on puisse échanger afin de nous comprendre. Nous disons qu'il y a des décisions qui sont prises, mais elles ne sont pas arrivées là où elles doivent aller. Ils ne peuvent pas donner deux classes aux quatre régions naturelles, parce que si c'est comme ça qu'ils souhaitent aller, c'est une façon de troubler l'entente qu'on a mise en place. Parce que moi je ne peux pas prendre sans donner à la forêt aussi ne peut pas prendre sans donner à la basse-côte, etc. Ils, les dirigeants, analysent eux-mêmes, chacune des coordinations doit avoir une place. C'est cela notre volonté. Donc, qu'ils essaient de revoir cette situation. Dans ma déclaration, je leur ai dit, s'ils donnent deux classes à quatre personnes, ce sont eux qui vont faire ce partage. Parce que si c'est nous qui devons partager, quatre personnes doivent partager quatre classes pour que chacun ait sa part, a indiqué Eladj Ousmane Fatah Kobaldé.